Mercredi 3 août 2022, Lucille a publié une vidéo en compagnie de son adorable petit bébé, Capucine. Une vidéo publiée à quelques jours de son mariage avec Jérôme, rencontré dans l'amour et dans le pré, après une rencontre digne des plus beaux coups de foudre hollywoodiens. Dans la 15e saison de l'amour et dans le pré, Jérôme et Lucille ne se sont plus jamais quittés. À l'issue du tournage, le jeune couple a rapidement décidé de s'installer ensemble. Ainsi, la manageuse en centre esthétique a fait ses valises pour venir vivre sur l'exploitation de son bien-aimé. Un changement de vie auquel elle s'est très rapidement acclimatée, comme elle l'expliquait sur Instagram en juillet 2022, « Je n'ai jamais habité réellement de grosses villes, et je suis née à la campagne donc déjà je ne suis pas dépaysée. Après, nous sommes loin d'être isolés à Jonce », a-t-elle expliqué sur son compte Instagram. Quelques mois plus tard, le couple annonçait attendre son premier enfant. Une petite Capucine née au cours de l'automne 2021, un mois plus tard, s'est décidée que Jérôme a demandé sa main à sa belle. Si certains de leurs abonnés se demandaient pourquoi le couple enjambait les étapes à une si grande vitesse, leur réponse a été sans équivoque, pourquoi attendre surtout? Attendre quoi? Nous avons tout ce dont nous rêvions. L'amour est là avec l'évidence que nous avons trouvé l'âme sœur. Nos parents sont encore vivants et en forme pour participer à ce jour mémorable. Nous sommes impatients de nous unir. Lucille, une maman poule. Alors que la date du mariage de Jérôme et Lucille est gardée secrète, le couple n'hésite pas à partager les péripéties des préparatifs du grand jour sur Instagram. Entre deux rendez-vous chez le traiteur et la coiffeuse, les amoureux publient régulièrement des photos et des vidéos de leur bébé. La petite Capucine les ravit chaque jour un peu plus. En témoigne la vidéo publiée par le couple sur Instagram, le 3 août 2022. Lucille est assise sur une balançoire et tient dans ses bras son adorable petite fille dans ses bras. Avec ses fortes chaleurs, la jeune maman a décidé d'opter pour un petit bas de maillot pour Capucine, qui se laisse aller dans les bras de sa maman émerveillée. De tout ce que j'ai fait, la chose dont je suis la plus fière c'est d'être devenue ta maman, a écrit Lucille. Un magnifique message.